sacrifier un animal devant le grand Démogorgon et réveiller ses enfants de leur long sommeil. Et on peut avoir droit à un gros combat. Et on va avoir droit à un gros combat. Alors on va se buffer. Le destin nous appelle. J'alcalès. Je vais mettre ça. Oui, oui, je suis pas sourd. Je vais mettre l'araignée. Je vais peut-être même mettre lui. Oui, habile. Le génie là. Il va pouvoir crever tranquille. Je vais protéger du feu. Non, peut-être déjà action libre. Sur Corgan. Mettre sur air. Je suis aussi prêt qu'une jeune fille en fleurs, mon ami. On va remettre une peau de pierre. Manus potentis parum. Oh, fais-nous ça. Ustanzadost. Je vais mettre action libre sur tout le monde. Manus potentis parum. Des ordres chaotiques, ça me paraît bien. Corgan. Qu'est-ce que c'est? Et toi, tu vas me remettre un flou. Sans attendre, n'est-ce pas? Toi aussi. Hein? Tu vas me mettre une peau de pierre, Corgan. Je suis prête. Allez, fais-moi un point chaotique encore sur toi-même. Il est fait le truc, ouais. Parlez. Bouclier. On fait donc une nouvelle fois appel à moi. Bouclier. N'aurions-nous pu engager quelque pauvre Jacques pour cette tâche ingrate? Un homme de ma condition n'a rien à faire ici. Char guide mon bras. Résistance à la peur. Bénédiction. Hop, peut-être même un cantique. Une harmonie défensive. Oui. Peut-être même aussi un... Qu'est-ce un que c'est terre, hein. Bacio. Jalcalès peut-être. Allez. J'ai pas une protection contre le mal sur 3 mètres. Tu as une protection contre la mort, on sait jamais. Sur Kaya. Vita mortis. Pisse sur AR. Non, c'est pas ça comme ça. Hein. Protection contre la mort, c'est ça. Hop. Parlez. Protection contre la nécromancie, ça me ferait bien. Manus potentis. Oui, toi aussi, on sait jamais. Même si t'es pas exposé. Manus
trop. Ce moineau est prêt à s'envoler, mais dès que tu en donnes un autre. Contre l'absorption de niveau, j'ai un truc, j'ai vu. Allez, fais-moi une protection contre l'absorption de niveau sur tout l'organe. Oui. Protection contre l'abjuration, Kaya. Qu'est-ce que c'est? Certainement. Cet endroit me rappelle. Allez, qu'est-ce que j'ai? Une invisibilité majeure. Alors, quoi encore? Yann Yansen, pour vous servir. La confiance est l'apanage des fous et des morts. Toi, mon ami, tu vas me donner quelques parchemins parce qu'on sait jamais. Tu peux faire quelque chose, toi? T'as des sorts? Furie des vertueux. Il est où mon effrite? Alors on va sacrifier l'effrite sur l'autel du démon Gorgon. Je suis prête. Ton verbe est ma volonté. Et il y a 1, 2, 3, 4, il y en a un cinquième par là. Chevalier démon qui apparaissent. J'attends les ordres. Fais-moi ça. Et maintenant... Parlez. Attaque, tout ça. Combattant squelette. C'est quoi ça? Non, non, chevalier de la mort. Jetez ça. Savoure tes derniers instants de vie. Voyons voir la couleur de tes traits. Mais lui, il a plus de... Oui, mon corbeau. Oh là là, sauvez de l'oubli. Destin nous appelle. Lâche-toi. Ce sera fait. Parlez. Butez-moi ça. Je suis aussi prêt que le jeune... Oui. Sans attendre, n'est-ce pas? Il s'est encore fait dissiper le... Ben, c'est dingue, ça. Oui. Ah, ouais, ouais. Encore. Déçu. Oui, bah cible disparue, j'ai vu.
Char guide mon bras. Le destin n'attend pas. La victoire nous appartient, tu le sais. Détection des invisibilités ou une vision véritable, non ? CEO, the DG, Petho. N'aurions-nous pu engager quelque pauvre Jacques pour cette tâche ingrate ? Un homme de ma condition n'a rien à faire ici. Jalkalet, Naonata. C'est des ondes, là. Et puis la pause automatique, ça c'est juste insupportable. Parlez. Ce sera fait. La pause automatique du planétaire. Bon, qui a fini par se barrer. Ok. Bah, normalement, on doit récupérer des jolies choses. Bon, bah je vais couper la caméra histoire de récupérer tout le matériel des démons. Hein. Puis je reviens. Oui. Et voilà. Alors j'ai récupéré quelque chose d'intéressant. Une épée bâtarde plus 2, bon ça c'est moyen. Une épée à deux mains plus 3. Ça c'est pas mal, je sais pas d'où ça sort. J'ai récupéré surtout ça. La voleuse d'âme, plus 4. Chaque coup de reine à niveau à la cible. Ça me paraît quand même vraiment bien. Je vais me garder l'Ilarcor quand même, parce que c'est très bon. J'ai récupéré le Home du Désespoir, Charisme plus 1, Sort de Bénédiction... je vais le mettre de côté. Ce sera peut-être pour Corgan. Et j'ai récupéré ça. Alors ça, je me tâte. Dans le jeu de base, c'est une belle armure, mais avec item révision, c'est encore mieux ou encore pire. Déjà, c'est un objet maudit. Donc si on la met, cette armure, on peut plus l'enlever. Toutes les créatures qui frappent le porteur en mêlée se voient affliger 2 points de dégâts et un des 4 aussi de froid. On est immunisé à l'école de magie nécromancie. Alors ça peut être excellent comme ça peut être... aussi une malédiction parce que ça veut dire qu'on sera immunisé à piège à crâne, flétrissure abominable d'Abidalzim, etc. Mais on sera aussi immunisé à tous les soins, aux sorts de restauration, etc. Donc j'hésite. Je vais y réfléchir à la faire porter par Corgan. Ça me paraît vraiment une belle armure, mais il faut que j'y réfléchisse. Pour l'instant, on va garder l'armure. J'attends vos instructions. L'armure elfe noire. Bon, bah, il n'y a plus qu'à partir maintenant. On a fini d'explorer. Cette zone. La caverne des Kuotua. Et on n'a plus qu'à... Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ok, on va redescendre un petit peu. Je ne m'étais plus autant amusé depuis que les Cormyriens ont fait flamber le cours du navet durant la famine de l'oignon. On va arrêter là la session d'ailleurs. Je vais quand même passer le niveau de... d'Edwin. Et celui de... Oh, assez.
Alors, mon ami Edwin, niveau supérieur, tu as l'essor de niveau 9. T'as gagné aussi un point de compétence, donc ça, on s'en fout un peu pour un mage. Bah, de toute façon, on n'a pas beaucoup le choix. On a déjà tout. Ben, fronde. Hein. Quoi d'autre? Ah, et il vient de passer... Les 3 millions de points d'expérience, alors ça c'est quoi l'âme d'énergie? Ça donne quoi l'âme d'énergie? Bonus de plus 10, on s'en fout. Le souffle de dragon, ça peut être pas mal. Connaissance des arcanes pour avoir l'enchaînement. C'est quoi connaissance des arcanes? Cette capacité augmente de façon permanente l'intelligence du mage de 1 point. Enchaînement, ça donne quoi hein? ça permet d'éliminer l'intervalle entre les sorts. Ça, c'est quoi? Invocation de golem magique. Pas mal, ça. Ça, c'est quoi? Champ de mort. Vocation de planétaire, non. Planétaire déchu, c'est quand même sympa, hein. Ça fait des gros dégâts. Ça c'est quoi? Écriture de parchemin, on s'en fout. Connaissance des arcanes, bonus au sort de mage. Non, je vais prendre le... Ah. Et le souffle, ça fait combien? 20 des 10 points de dégâts. C'est pas mal quand même. Hein. Je vais prendre le souffle. Et lui, niveau supérieur, il a pas les 3 millions hein, pour l'instant. Donc il aura pas... Il aura pas de... De HLA. Et ben voilà. Oui. Allez, je vais arrêter là la session. Bye bye.